Il y a du monde, mais bon. C'est parti. Et putain, il... comme par hasard, il y a une... un magazine qui était entre, entre les portes. Bah, mais c'est grave. Non, c'est pas bon sac. Ça, tu les armes. Ah, ça rigole pas. Ouais, on va faire un prix. Allez, là, tu vas tuer. Attends. En fait, c'est ça bien comme ça. Tu fais. Ok. Oh putain, il y a eu un. Après 8 mois d'absence, bonjour à tous, ici Smile en direct pas. Oh. Et la surprise générale, il y a eu un Emi 69 et un Emi 84 pour commencer l'épisode 12 de Ismaël dans les transports. Donc ça commence bien. 8 mois d'absence, 8 ou 9 mois d'absence, je sais plus. Depuis le mois de janvier 2015, j'avais plus fait d'épisode. Depuis le 23 janvier exactement, donc nous revoici 20 septembre 2015, donc nous voici de retour pour une nouvelle épisode. Donc là, direction la plaine Stade de France pour aller chercher un ami. Donc là, on va être au total, 4 personnes à jouer à l'enquête du métro 2015, et le thème sera le voyage dans le temps. Excusez-moi. Désolé. Oh putain, la plaine, ça y est. Ouais, on va attendre. Hier, c'est le pardon. La plaine Stade de France, 82-67. Stade de France, on est à Lyon ici. Voulez-vous que je filme sur vous? Ouais, puis je sais ce qu'il a dit, Eh, c'est la merde ou quoi? Stade de France, on est à Lyon aussi, bordel! Eh hey, oh, c'est bon, hein! C'est incroyable! c'est la fête! La elle est toxico! 82-67 qui s'en va! Eh, si, ce côté-là, il est bien, quoi! Ouais, il est là-bas en plus! Ah, il est là, je vois! Ah, tu le vois, ça y est! J'ai mis 84. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous ai pas vu tout à l'heure. Putain, j'ai... Ouais, t'as quelque chose. On l'a eu à peine, les gars. Ça va quand même, ça va. Ah, tu veux, ça finit à quelle heure? 15h? Non, à 15h30, faut être maximum là-bas, 15h30. Tu vois, l'année dernière c'était 15h, maintenant aujourd'hui c'est 15h30 maximum. 15h30, avant c'était 10h15h. Non, ouais, c'était 10h15h, maintenant c'est 10h30, 15h30. Ce matin, aujourd'hui, ils ont fait à 10h30 et aujourd'hui, ça va être 15h30. 15h30 qui ferme, donc faut se dépêcher. Donc on a encore une heure, hein. On a encore une heure. Ça, sinon... Youssef, il m'a appelé. Ça fait super longtemps. Longtemps, je sais pas. Je crois, là, ça fait 3 mois. À peu près, ouais. 3 mois, ouais, parce que... Depuis le mois de juin. Je t'ai même pas donné de mes nouvelles depuis. Mais bon, si vous allez bien, de toute façon. Quoi que ce soit, ouais. C'est ça qui compte.
Ah, c'est super d'être avec toi. En plus, t'as remplacé Geoffrey au moins. Ouais. Mais Geoffrey, il pouvait pas venir parce que. Il avait un truc hein, à faire. C'est un peu dommage pour lui, mais bon. De toute façon, on va s'amuser pour lui. Ah ouais, on compte pas une vidéo dédicacée pour Geoffrey. Dédicace. Comment ça? Ah, un dédicace. Dédicace. Ouais. Parce que vous avez vu. Fais un petit dédicace, non? Ouais, vas-y. Vas-y, un petit dédicace pour Geoffrey, parce que vu qu'il est pas venu. Ah oui, hein. Vu qu'il est pas venu, malheureusement, donc. C'est dommage pour toi, mais bon, hein, après. Mais bon, voilà. Bon, on aurait aimé que tu viens avec nous. Au moins, Yannis, il t'a remplacé, c'est pour une bonne cause. Donc comment? J'imagine pas si ici. L'année dernière, j'étais que deux avec Yannis, donc là, moi, attends, on a rajouté Laurent Youssef, c'est parfait. En plus, ça veut dire, on sait pas, moi je sais pas si t'attends. Ah putain, excusez-moi d'ailleurs pour le zoom là, au début là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Normalement à la base ça doit se couper le zoom, mais sans faire exprès j'ai carrément oublié de l'enlever, donc désolé. Donc là je l'ai remis normal. Donc ça fait un peu mal à la tête au début, le mouvement, donc voilà. Donc au cas où, redédicace à Geoffrey pour l'enquête du métro, donc voilà. Attends, t'as l'appelé juste le frère Daniel. Laurent. À la première Daniel, elle a dit si tu fais des bêtises ou tu frappes un prof, elle appelle son frère. Laurent. Il y en a plein. Ça y est, on est à la gare du Nord déjà. Gare du Lyon. Ouais, on est à la gare du Nord. Bouffe pas un truc parce que. Non, non, c'est bon, on est à la luminosité. Parce que si ma mère m'appelle, je peux pas de rire. Non, après, ça va, on est à 79%. 79? Ouais, ça va. 79? Ça va, ouais, ça va. 79-80. T'as pas remis ton chargeur? J'ai ramené le chargeur dehors, mais. Mais t'as le fil, c'est ça? T'as le fil? Ouais, j'avais le fil. Ouais, c'est pas grave parce qu'on est. Si elle descend à 1%, tu peux pas un peu. Pour l'instant, il n'y a rien. Ah mais ça veut dire maintenant, Daniel, ça veut dire maintenant, c'est aussi son frère, il le voit l'eau, il est dans la merde. Et si son frère, il le voit l'eau, il va se planquer dans le parking, tu vois. Oh, il y a un petit. En fait, c'est le petit truc orange qui est devenu rouge. Ah oui, son frère, il a frappé, il a dit, Daniel, tu mens. Oh ah, tu fais putain, le ciel, il a déconné, sa mère. Ah, regarde, du nord. Ouais, c'est le petit truc orange, ça s'appelle le ciel. S-I-E-L, ça se prononce. Oh non, là, du nord. Et donc là, on descend à Châtelet. Et on prend la A. C'est comme on a j'avais fait avec Ennis une fois. Ouais, on dirait on va à Nanterre pour voir ça. Nanterre, préfecture. Ah mais c'est ici qu'on descend. Non, c'est pas. C'est pas cher. Ah vas-y, on s'assoit quelque part, non? Parce que là. Oh voilà. Vite. Pardon, hein? Vas-y. Mais rien, bah t'es bon, t'as une place. Bon, pas qu'on le pique. Je suis là les gars. Ouais. Putain, c'est la merde là à la gare du Nord. Il reste des places. Il reste des places. Ah, c'est du n'importe quoi. C'est parti.
J'espère que dans quelques instants, avoir un 1,09€. Tiens, on a un Z20500 Transilien qui vient de passer. Je répète, on a eu un Z20500 qui vient de passer en habillage Transilien. Là, on a une bonne nouvelle. Châtelet-Léal. Châtelet-Léal. C'est parti. C'est plus comme avant. Il y avait des carrelages et tout. Maintenant, ça a tout changé. Châtelet-Léal. Et en plus, nous... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a aucun train par rapport à nous. Ouais, ouais, c'est bon. Ah, Laurent. Laurent, je descends dans l'autre porte, hein. Pardon, pardon, madame. Pardon, pardon, excusez-moi. 82-31. Eh, comme par hasard, on a un approche. Il y a un train qui arrive. C'est un train quoi? C'est pas possible. Eh, c'est même pas un train court, c'est un train long qu'on aura. Ah, Yanis! Eh, c'est un quoi comme train? Vérifie s'il te plaît. Non mais vérifiez là-bas. Émile de N. Émile de N. Direction Marne là-bas des Chessis. C'est un dire que dans 26. Direction Marne là-bas des. Putain, y'a plein des places, mon frère. Et comme par hasard, on part. On dirait que t'as pas les racistes. Z20500 qui est en direction de. C'est parti. Moi, j'aime bien. Il aime bien faire un jeu de poste.
En plus, c'est Youssef, dis-moi. Attention, là, on démarre un peu. Je l'ai rien fait. Ah ouais, c'est que en haut que ça fait ça. Je reviens dès l'arrivée à gare de Lyon. C'est impossible. 14h42, arrivé à gare de Lyon. Je connais, c'est cool, je sais que c'est. Gare de Lyon, les gars. Le mec il est tellement excité à FIFA qu'il a fait ça. Oh, il a fait. Vas-y, cool. Après le mec. Comme on dit à Gare de Lyon, on mange du lion. Gare de Lyon. C'était quand? C'était hier? Non, c'était jeudi. 14h42, arrivé à Gare de Lyon. C'était jeudi, dès que j'arrive chez moi, t'entends quoi? T'entends ça? Vas-y, cours, vas-y, c'est vas-y. Pas bien, oui, vas-y, il est excité. Allô? Allô? Après, là, il me répond. Emi 2N, 1548-47. Et comme par hasard, lui, Midouane, il s'en va. Eh, c'est par là la sortie. Hein. Direction maison de la RATP. A tout à l'heure. Départ du Z20500. Z20631. Habillage transition. C'est direction Madeleine alors? D'abord, on va prochainement. Tu sais que ça, c'est chiant de marcher un peu, alors on préfère aller à l'idée. En plus, je sais que t'avais raison, on pouvait prendre là. Donc c'est Madeleine. T'as vu, j'avais raison. Ouais, il avait raison, c'est lui qui avait raison. Lui, en fait, il avait pas tort. Parce que je connais la défense. Ah, tu connais la défense, toi? Oui. Ah ouais, d'accord. Bah oui, c'est toi. Bien sûr, il va avec ses enfermes. Ah non, je suis pas un abruti, hein. Oh. 537. Donc nous c'est ça. 9. Ouais. Donc station 34, on a dit Madeleine. Ça. À présent, vous devez rejoindre la première étape dont le nom de code est station 34. Et là, on a la 509 ici. Mais en même temps, Laurent, voilà. J'ai remarqué un truc. La personne qui nous a aidé, c'était de la triche. La fille. C'est n'importe quoi. On s'est fait tricher. La triche, c'est toi, t'allais nous faire mourir. Bien sûr. Bastille. Attention à la marche. Ah mais non, tiens. Eh Laurent, on a la 8 et il nous emmène à Madeleine. On a la 8 et il nous fait déposer à Madeleine. Ah vas-y, comme ça on fait pas un détour. Hein. Pardon. Ouais, comme ça on fait pas un détour. Pas besoin de détour, on est tranquille. Hein? La 8, il nous dépose à Madeleine.
Bah, ça, j'ai eu un déclic. En gros, j'ai eu un déclic en fait. Ouais. Tu sais ce que c'est, on voit un déclic. Bah voilà, logiquement. Bah ouais. Oh, 551. Bon les gars, on va se concentrer là. Bon voilà, voilà, on se concentre. Eh, c'est la fête ce soir. On va se concentrer. Bah oui, bien sûr. L'enquête. 50... Eh, on a 51 crash, j'avais même pas vu. Je crois que c'est ça, 52 qu'on a. Donc on a 10, c'est à 134. Bon, on reprend tout de suite. Eh les gars, on est à l'approche du quai de la ligne 8. Hein. Donc, station Madeleine. Non, c'est direction Ballard. Direction Ballard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, tout le monde bougeait. 11 stations, putain. 11 stations. Oh non, tu prends la 14. La 14, c'est plus rapide, je pense. Bah oui, on a 14. Mais sinon, on va faire toujours le. Toujours le plus difficile. Voilà, j'arrive pas à ce que tu me suives, mais en tout cas, ça va. Oh, mais bon, on va terminer pour maximum 19h. Maximum. Elle a tout le monde. Elle est mieux, tout le monde nous aide dans le temps. Bastille. Voilà. Les gens, on va être concentrés aussi. Eh, ils sont cons ou quoi? C'est une minute. Va pas trop loin, sinon tu vas aller dans le truc, tu vas mourir. Et franchement, hey, on est que nous là en train de faire tout ça et y'a personne qui le font. Putain. Ouais, tu rigoles, c'est pas marrant. Enfin bref. Parfois à un moment donné on peut toujours délirer hein. Parfois des délires, des engueulades. De toute façon, on est là pour ça. On est là pour jouer. Des fois. On n'est pas là pour se chamailler. Justement, même s'il y a des engueulades, même s'il y a des délires, il y a à un moment donné, le but c'est d'y jouer. C'est d'y jouer et d'y partir. C'est ça qui est. Bon, bah, de toute façon. Des hauts sujets, bon, là pour s'engueuler, ça sert à rien. C'est con de s'engueuler. Bastille, voilà. A tout de suite, dès qu'il y a le train. Qui est très fort. Ah, je vois, c'est quoi cette annonce? Moi, j'ai jamais joué au studio depuis. Ah, il y a eu une annonce chelou. Tu sais, il y a eu une annonce chelou. Les mêmes numéros, pas tu mets les mêmes chiffres. Ah, ça tombe bien parce que vu qu'on est là. Là, on est quoi? Là, on est au 2 ou on est au 3? On est à la première. Ouais, bah, ouais, parce que nous a dit station 34. Donc voilà, à présent, vous devez rejoindre la première ligne dans le code des stations 34. Ah mais si on trouve en plein... Je pense qu'on doit le trouver en plein couloir. Ouais. On doit le trouver en plein couloir. Je sais pas jouer au sudoku justement. Ah putain, mais après... Moi j'ai jamais joué. Une fois j'avais réussi mais je sais plus. T'as joué mais... Attends, toi tu connais mais t'as jamais joué en fait. Je connais mais non. D'accord. On attend le train. De toute façon, du moment qu'il nous a dit station Madeleine, alors on va voir ce que ça donne. Hein. Station Madeleine. Voilà. Bah, en gros, est-ce que tu penses qu'on va manger des madeleines? Ok, blague de merde. Allez les gars, on a le MS67 qui arrive. Et c'est le 142. C'est la RAM 143.
Désolé pour le zoom. Là, on est où là? Chemin vert, ouais. Rame 143, chemin vert. Sébastien Froissart. Sébastien Froissart. Laurent, je te conseille de t'asseoir parce que si à un moment donné il y a un frein très énorme, alors si le frein est fort, fais gaffe. Donc Madeleine, c'est ça. Et en plus le pire, on va passer Montmartre en plus. Hein, on va passer Montmartre pendant le trajet. Vous savez ça? On va passer Montmartre. Ah, ça va être classe. Calvaire. Fille du calvaire. Ouais. Hein? Madeleine. Ah mais en même temps, c'est pas grave, hein. Tu sais qu'on va passer au Montmartre en même temps? Ah, il sait. On va passer Montmartre en même temps. Oh putain. Ah, il est mort. Oh putain. Ouais, il y a une meuf de roi. Oh! Ah non, ça c'est pas bien ça par contre. Je vous expliquerai après. République. On est entré dans la 5ème République en 1958. Ça, c'est une histoire vraie. Les sièges sur la ligne 13, hein. il y a plus d'espace à la base. Ah oui, c'était comme ça la ligne 13. Hein. À l'époque non, ça a changé, c'est plus comme. C'est plus
comme avant. Ouais, joueur bleu, tout ça, sans annonce et tout. Ouais. Maintenant, il y a des annonces et tout. C'est depuis longtemps que ça a changé. Ouais, mais depuis longtemps que ça change, hein. Moi, pour l'instant, j'ai laissé fermer mon truc parce que en même temps, là, hein. De toute façon, on a tous la même, hein, quoi que ce soit. Eh, Saint-Martin! Vous ne connaissez pas Saint-Martin, non? Ah, Laurent, tu connais pas? Non. Saint-Martin, c'est une station fantôme. Ça te dit quelque chose? Non. Une station fantôme, pourquoi une station? Une station fantôme, ça veut dire que c'est une station qui est fermée. Une fermée depuis longtemps et... Mais pourquoi elle est fermée? À cause de la Seconde Guerre mondiale. Il est fermé le 3 septembre 1939. Non, tu vois, même la dame est intéressée. Une fois qu'on a fini l'activité, nous n'avons plus qu'à nous présenter devant l'activité. Là, et qu'on a vraiment fini l'activité, on peut nous présenter. Strasbourg-Saint-Denis. Bah, Strasbourg-Saint-Denis, pourquoi pas. Eh, franchement, non seulement à Saint-Denis, on n'est pas à Strasbourg non plus. Si on fait n'importe quoi, bah ouais, logiquement. Non, si on y va dans la station au fantôme, y'a rien du tout. Bah y'a rien du tout, c'est vide. Y'a rien. Eh, c'est vide, et, en plus t'as même pas le droit d'y accéder d'ailleurs. C'est interdit au public maintenant. Wow. Ah ouais. Depuis 1939, c'est interdit au public. Sauf aux agents de la RATP. Ouais, pardon, hein. Il a dit non, mais bon, après, là, ça a changé. Là, on est à bonne nouvelle. Mais là, j'ai bugué encore avec le zoom, hein. Ouais, mais non, mais avec le zoom, des fois, ça bug, hein, des fois, mais bon. Ismaël va nous faire des problèmes. Ah non, alors c'est bon, hein, le mec qui est chiant. Mais bon, il a dit non, là j'ai arrêté. Hein. Maintenant, là ce sera des films entre potes maintenant. Donc là, Grand Boulevard. Station, hein. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite, hein. Il faut pas parler trop vite. Parce qu'en même temps, on est dimanche et le dimanche, ça roule vite. Non seulement il y a moins de trains et non seulement ça va vite. Non mais là en même temps c'est normal parce qu'il faisait pas partie de l'enquête du métro. Ouais non mais parce que maintenant deux fois la dame elle a fait hier l'enquête du métro donc ouais bon, c'est bon. Ouais, non mais deux fois la même erreur ça va quand même. Ouais bon. Ouais c'est là on a été en plus Yanis hein. Ouais. Richelieu de Rouault. On a été l'année dernière et on a trouvé une personne. En plein quai en plus. Je me rappelle de ça. Là on a quoi là? Hein? Là on a quoi? Opéra après. Opéra et après c'est Madeleine. Ok. Eh comment dire Madeleine? Est-ce qu'on mange des Madeleines en vrai? Ouais. Blague de merde quoi. C'est quoi ces vannes là de balle? Et opéra, ça te dit quelque chose, non? Hein? Eh ben, opéra, on chante de l'opéra.
On chante de l'opéra, sérieusement. C'est un peu n'importe quoi. Il m'a bousculé. Opéra. Ça se trouve, ça doit être dans la bonne direction. Moi, je préfère toi, là. De toute façon, je ferai des coupures sur lui dans le montage. Moi, je connais Movie Maker, tu connais. Et toi, normalement, tu dois te réveiller. Toi, tu dois te réveiller dans métro, toi. Ouais, de toute façon. Ouais, bah ouais, bien sûr. Tu dois faire métro. C'est ça son travail, en fait. Et ben, le travail, c'est ça que je vais faire. Parce que le mec, il connaît tout dans métro, donc il doit faire ça, en fait. Exactement. Ah, il doit être un tueur. Ah ouais, toi, est-ce que tu m'as tué hier? Putain, y'a que des bugs. Tu vas tuer. Hein. Prochaine station, les gars. Prochaine station. Maman, il me rend ticket. Prochaine station. Eh, les gars, prochaine station, je me signale. Ouais, c'est ici. Là. Ouais, c'est le prochain, là. Ah, Ah, il y a des gens qui jouent ici. Ah, je suis sérieux, il y a des gens qui jouent ici. C'est parti. Non, station 34, on a dit. Hein. Ah, c'est un peu. Ah ouais, pas mal. Aïe, mes oreilles. En station 34, alors c'est parti. Analyse du rapport de téléinstallation. Moins de 12 mètres. Alors, il semble évident que cette donnée indique la profondeur de la station qui mène à la porte B. Alors, ah bah ouais, savez-vous que la numérotation des lignes du métro correspond à la chronologie de la construction du réseau de la ligne 1 dont le premier tronçon a été ouvert en 1900 lors de l'exposition universelle. Bah ouais, l'exposition universelle. Et la ligne 14 est mondiale et la plus récente. En toute logique, plus les lignes sont récentes, plus elles se situent en profondeur et pas les creuser toujours plus bas pour passer sur une ligne déjà existante. Par exemple, la station Tuileries sur la ligne 1 ne se situe qu'à 6 mètres de profondeur. Alors que la station Madeleine sur la ligne 14 que vous trouvez actuellement est en feu à 24 mètres. Cet ordre de grandeur peut déjà nous donner une première information sur le profil de la station finale. Mais attention, certaines stations sont traversées par plusieurs lignes, la profondeur n'est donc pas la même selon la ligne, ce qui complique les choses. Moins 12 mètres, ça nous donne un indice. Moins 12 mètres, ça donne un indice. Moins 12 mètres. Bon, les gars, on a trouvé Concorde. Elle est à combien la batterie? 56%. 56. Enfin bref. Il est 16h10. Hein.
Moi, tu savais que c'était NE, c'était obligé que c'était Concorde. Obligé. Concorde. 12 073. Je répète, 12 073. À Concorde, franchement, est-ce qu'il y a un con qui tire une porte? Voilà. On est dans le bon chemin parce qu'il y a plein de monde qui joue. Donc on a pu s'en sortir malgré 25 minutes dans le quai de Concorde, mais bon, hein, après 25 minutes sur le quai de la Concorde de la ligne 12, mais c'était super dur. Et donc là maintenant, nous nous dirigeons sur la ligne 1 dans le quai, direction Champs-Élysées Clémenceau, donc c'était pas si facile que ça. Donc maintenant, je vous dis à tout de suite sur le quai de la ligne 1. Il nous reste quoi à trouver là? Bah là on va y aller sur place. D'accord, mais il nous reste combien de choses à trouver? Justement je sais pas, attends. Il y a du monde. Attention.
tout pénal. C'est parti. Donc là maintenant. Analyse du rapport de l'installation. Direction Montparnasse, bienvenue, on a trouvé le code. C'est parti. Ah, c'était pas mal, hein, Montparnasse. Quand même, on l'a trouvé au moins ça. De qui? Jean? C'est qui Jean? C'est qui Jean? Hein, c'est qui Jean? Par contre, sur le RER A, c'est la merde. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stations, ça va. Châtillon, dans une minute. Parce que j'ai vu écrit. Ouais, bon, alors, comment ça se fait que moi j'ai pas vu écrit? Bah, c'est normal, t'as pas suivi toutes. T'as pas suivi. Moi j'ai regardé, j'ai vu écrit Montparnasse. Sa mère, 31 112. Eh ben non, je te dis une chose, ce sera même pas faux. Ce sera même pas faux, c'est sûr. Pareil.
Saint François Xavier. Accrochez-vous, ça va secouer. Direction Saint-Germain-des-Prés, on vient de le trouver à peine. Ah, ça va, on commence à trouver vite. Hein. Ouais, celle-là, on l'a pas trouvé pendant une demi-heure. Ah bah ouais, la pire, c'était Concorde et Madeleine. Non, la pire, c'était Champs-Élysées Clémenceau. Non, ça va, on a trouvé en 10 minutes. Ouais, 10-15 minutes, ça va, c'est rien. Mais le pire, c'était Concorde, on a resté une demi-heure, 40 minutes. Hein. Je ne pourrais pas dire. Forcément. Y'a pas de problème. Une demi-heure. C'est ça. De quoi? Si, mais comme c'est 17h, peut-être que j'ai parti. Non,
Amazon avec. Voilà, il y a un bonhomme à rencontrer. Comment ça, il y a un bonhomme à rencontrer? Ah, il est pas dans le quai? Il doit être dans le quai, c'est possible. Il doit y avoir un bonhomme à rencontrer. Ouais, donc là, c'est la 12. Nous, c'est la 4. Il est 17h39 quand même. 17h39? Bah putain. Ah, je pense qu'on a formé une bonne équipe là encore. Hein. Ah, là, je sens un truc arriver là. Je sens un truc arriver. Je pense aussi. Ah, on entend une musique. C'est peut-être lui, hein. C'est peut-être lui. Lui ou elle. Une fille. Ouais, soit une fille ou un garçon, mais à mon avis, là, il y a un musicien. Direction Porte de Clignancourt. Voilà. Ah, ça y est, on chauffe là, on chauffe. On est en train de chauffer. Normalement, c'est la 4, mais. Parce que là, on entend un musicien. Musicien, musicienne. On verra. T'as vu, on approche du musicien. D'accord, c'est bon. A 4. A 4. Ouais, c'est bon, on l'a fait. A 4. B2. C8. C8. D3. D3. Donc maintenant, il y a le E et le F à chercher. Voilà, donc c'est Saint-Germain-des-Prés et quelque part d'autre. Si le mec qui veut qu'on aille à Place Rouge, il est mal barré là. Hein. Je sais pas, il paraît de Place Rouge.
après on a une autre, on a un autre mot croisé à faire. Et sauf que là c'est prise de vue là, prise de tête. Ça c'est plus. On a déjà joué à déchiffrer. Après Montparnasse, on a déchiffré. Maintenant, c'est autour de Saint-Germain. Ah, ouais, oui, Saint-Germain des Brouets, parce qu'après, il y a, les petits lampadaires bleus après. Les livres. Voilà. Les livres et des lampadaires bleus. J'ai reconnu tout de suite. Parce que c'est parce qu'il y a des lumières bleues en fait. Depuis un certain temps. Voilà, c'est ça. Ça va, au moins je suis pas mal barré. Il faut bien connaître le réseau. Non, je sais pas, mais après je vois des lampadaires bleus avec des avec écrit des choses et tout là. Et les stations, les deux quais sont décalés en plus. C'est peut-être des histoires dessus. Après, voilà. Ils ont vu écrire les trucs bleus là. Faut trouver le bon symbole, c'est ça? Attends, c'est écrit quoi là? Donc voilà. Maintenant, il est là, il faudra dormir. Saint-Michel, attention à la marche en descendant du train.
On a l'impression d'être un marteau. On dirait un marteau quand ça ouvre. En fait, ça, c'est la sécurité qui... On dirait un marteau piqueur. Là. Ah ouais. Et là, quand t'es marteau. Ouais, mais y a pas les mêmes versions de porte. Y a pas les mêmes versions d'ouverture et de fermeture. Ouais. Ascenseur automatique. Automatique de 30 secondes si on y touche. Si on touche le placard. Et depuis le début, il y a un ascenseur. Ouais. Je crois que c'était pas loin d'ici qu'ils ont commencé à construire la cape. On n'est plus qu'à deux stations près. Et Ré au mur. Étienne Marcel. Étienne Marcel.
CC 42. Les 89 sont numérotés très bizarrement. Ils sont numérotés par moitié de travaux. Ouais. Je sais, 01, 02 dans la même RAM par exemple. Voilà. Ça je connais. La RAM 1. Patate, c'est la RAM 2. Ouais. La RAM 3, etc. etc. Alors. Je crois que non, c'est la 49 ou 50 qu'on a. Rayon mur, c'est l'instapol. Ouais, rayon mur. Je crois que on a la 50. Attention, freinage puissant. Allez. Freinage puissant, c'est surtout sur la 14. Sur la 89 aussi. Hein. Les 05. Ah bah voilà. Si le mec il met un coup de FU, tu le sens passer. Hein. Ouais, donc le dire que sur le 89, tu sais, moi comme j'ai de la famille qui habite sur la 4, j'ai connu le 89 quand ils ont livré sur la 4 et il y avait plein de FU PA. Je connais, 23 mai 2011. Ouais, voilà. 23 mai 2011. Genre, tu sais, il y avait plein de FU PA. FU PA. En fait, c'est quoi le FU PA? Non. Le freinage d'urgence sans pilotage automatique. Ah, parce qu'il y a du pilotage automatique aussi sur les grosses étoiles. Ah, il y a du pilotage sur la ligne. Là, tu vois ta pile là. Ouais. Tu vois ça là, la bande là. Regarde. Ah ouais. Ça, c'est la pilotage automatique. Ah. Là, c'est l'ancienne version. Maintenant, c'est pas mal. Ah bah oui, le cuivre, bien sûr. Je connais le cuivre. Faut-il conclure que la station que nous recherchons contient une grande quantité de ce métal? C'est en fer rouge. Arts et métiers. T'es sérieux? On recherche. Oh putain. De 1, 13 ou bien 11, 33. Bien joué. Très très bien joué. Respect. Non, 67. Non. Bah si, on a la ligne 3. Ah oui, c'est vrai, c'est la 3, oui. 67, rénové. Ouais. Pour le coup. CC32. Là, tu vois, là, c'est 64, par exemple. 64. Là, regarde, là, c'est... Bah ouais, faut toujours compter le doublé, en fait. Ouais, la N. La mobilise, c'est 64, celle-là c'est 63. Ouais. Donc là, faut aller sur Arrêt-Métier, là. Voilà, mais d'abord. Ah bah tiens, on a la ligne 3 à côté en fait. Voilà, mais d'abord, faut trouver. Attends, faut trouver quoi? Faut juste mettre Arrêt-Métier, c'est ça? Ouais, Arrêt-Métier. Métier, il est à côté. Hein. La rame 12 au 069. Thank you.
12 069 qui s'en va. 12 069. J'avais même plus remarqué là tellement que j'étais dans le ciel. Non mais je rigole. Ouais, l'autre fois j'étais parti en janvier 2015. C'était même pas comme ça. Voilà. Après faut y aller sur la ligne 11, après c'est la dernière. Sur la ligne 11 c'est la dernière. Normalement. Ah parce que je vais rentrer chez moi. T'es fatigué? Non, je suis pas fatigué, c'est ta mère qui est comme ça. Arrêtez métier. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train on the platform. Oh! Voilà. Des arts et métiers. Voilà, c'est ça. Donc il faut y aller par là. Parce qu'en plus, il y a de la musée, donc il y a, logiquement, il y a des arts et tout. Voilà. T'as en train de filmer là? J'aime bien filmer des métiers. T'as tout filmé? Ouais, c'est pas toi. Je voudrais vous laisser un dernier message avant de partir, c'est parce que là, on a bien galéré pour la dernière étape. En fait, c'était le gaieté lyrique qu'il fallait faire, alors justement, gaieté lyrique, c'est là où j'avais été le 23 janvier 2015. Tu vois pas que je suis en train de parler, hein. Le 23... On s'en fout. Le mec, il croit qu'il est pété de thunes, il croit qu'il a de l'argent, il croit qu'il est mieux que nous. Enfin bref. Donc c'est là où j'ai été le 23 janvier 2015 et donc forcément dans l'épisode 11. Bon, l'épisode 12 se termine pour par ce joli quai d'art et métier rempli de couleurs comme vous voyez par ici. Et donc là je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle épisode. Peut-être l'épisode 13, que je sais pas quand il va tourner, donc on va voir. Donc ça c'est le cadeau bonus de la fin. Et donc là,
peut-être que je prendrai une petite dernière vidéo à la gare du Nord. Donc peut-être à bientôt ou peut-être à tout à l'heure vite fait. Donc on va voir.